Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous une petite enveloppe. Alors, je m'excuse pour la lumière, c'est une lumière artificielle. Les volets sont fermés. Comment vous dire que je n'en peux plus? Il fait chaud. Il y a les ventilos derrière, donc j'espère que vous n'entendez pas trop, que ça ne va pas gêner. De toute façon, la vidéo va être assez courte. Quoi d'autre? Nous sommes le 31 juillet, je vais essayer de vous poster cette vidéo aujourd'hui même. Ça fait quelques jours que je n'ai pas posté de vidéo, j'en avais préparé deux en avance que j'ai carrément oublié. Je pensais vous l'avoir mis sur YouTube, l'avoir programmé, alors que pas du tout, plutôt les avoir du coup. Mais pas du tout, je les ai carrément oubliés, donc c'est pas grave. Je vais mettre celle-ci aujourd'hui, puis les autres je les programmerai pour la semaine à venir. Fin de semaine là, et puis on est le 31 juillet, on est mercredi je crois. C'est ça? Je sais plus. Bref, et vous aurez deux vidéos à venir dans la semaine, cette semaine-là, fin de semaine ou la semaine qui suit. Mais il n'y en aura sûrement pas d'autres, à moins que j'ai des courriers entre-temps. Là, j'essaierai de vous les faire, mais sinon, il n'y en aura pas d'autres d'ici là. Parce que je profite que mon cher et tendre soit en vacances depuis vendredi. Du coup, ben, je profite de lui. On a des choses à faire à la maison. Bien qu'on avait fait les trois quarts, il reste tout un tas de bazar à trier, à ranger dans le garage. Bref, oui, je vous raconte ma life. Ensuite, on a d'autres choses qui se passent à côté, donc il faut qu'on gère. Bref, rien de grave, mais bon, voilà, il y a des choses, il y a des choses quoi, il y a des choses à faire. Donc du coup, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vous faire des vidéos. Je voulais vous faire ça, mais j'ai pas pris le temps. Du coup, voilà, c'est pas cool. Je devais faire un petit envoi à Annie parce que. Donc couleur et création, parce qu'elle m'avait envoyé une pocket letter parce que son courrier avait dû être shippé ou s'était perdu. J'avais dit que je ferais une pocket letter. Je ne l'ai pas encore faite. Donc Annie, de toute façon, je ne t'avais pas donné de temps. Je t'avais pas dit ouais, je te l'envoie tout de suite, machin. Donc t'inquiète pas, ça viendra. Pas maintenant tout de suite, mais ça viendra. Mais voilà, je vais laisser les semaines de vacances de mon chéri passer. Et encore donc une semaine et demie du coup. Mais après ça, je m'occupe de toi. En plus, là, clairement, avec la chaleur qui fait hors de question que je me mette à mon bureau pour scraper. Je peux pas rester figée là, c'est épuisant. Bref, donc du coup, ne t'inquiète pas, tu vas recevoir ça. Et donc, pour faire le lien entre ce que je viens de dire à l'instant et cette vidéo-ci à proprement parler, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres cette petite chose. Donc Annie, si tu passes par là, de toute façon tu passeras sûrement par là, je vais t'identifier dans le titre. Tu vois, j'avais dit, attends, on sait jamais, peut-être que. T'aurais dû attendre, t'aurais pas envoyé un deuxième courrier. Parce qu'en fait, j'ai reçu ton courrier. Alors, j'ai reçu ton courrier qui, celui-ci aussi, n'est pas oblitéré. Voilà, tous tes courriers arrivent sans tampon de la poste, c'est génial. Et en fait, le souci, c'est juste que tu t'es trompé dans les deux premiers chiffres du code postal. Dans le premier chiffre du code postal. T'as mis un 5 au lieu du 8. Voilà. Donc, mais il a retrouvé sa destination, sa voie, son chemin, et il est revenu à la maison. Courrier qui est juste magnifique, regardez-moi ça. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis donc, on a la petite étiquette, qu'ils ont rajouté une petite étiquette avec le vrai code postal dessous. Bref, et c'est là que je me suis aperçue, quand j'ai vu l'étiquette, je me suis dit, pourquoi il y a une étiquette avec mon code postal? Et j'ai regardé son code postal à elle qu'elle a écrit. Et effectivement, il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci au niveau de ça. Bon, c'est pas grave, c'est arrivé. Moi, je te renverrai, comme j'ai dit, une pocket letter. Comme ça, bon, on aura eu notre échange. Donc, celui-ci, échange ATC. Et du coup, ben, ça fera un échange pocket letter à côté, tout simplement. Voilà. Désolée, je blablate beaucoup, mais voilà, je voulais remettre les choses au clair. Du coup, c'est parti, j'ouvre ça. Alors, j'enlève le washi. Ouais, ça se déchire. Bon. Alors, on va faire attention à ce qu'il y a le timbre qui est là. Aussi de pas l'abîmer, hein, tant qu'à faire. Hop, c'est bon. Hop. Donc je découvre parce que je ne sais pas du tout. Hop là. Oh là, oh là, oh là. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Alors attendez, je vais vérifier qu'il n'y a rien dedans. Non, c'est pas. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Regardez-moi ça comme c'est beau. Attendez, je mets ça de côté. Je vous fais voir ceci, cela. Ça doit être sa petite carte, je suppose. Elle est sublime. Bon, un fond à la Annie, hein, voilà, c'est juste magnifique. La petite sirène qui est en 3D, le petit happy aussi. Les petites bulles, il y a du glossy ou quelque chose dans cet esprit-là, dans certaines bulles, vous le voyez, vous l'apercevez. C'est superbe. La petite méduse ici, les petites algues au fond, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oui, c'est bien sa petite carte. Je vais vérifier au cas où derrière. Alors.
Les yeux qui sortent de son visage. Oui, j'ai hâte que tu fasses ça. T'avais dit que tu essaierais de les reproduire. Mais c'est vrai qu'en soi, elles n'ont pas l'air si compliquées à faire à la main. Les pépettes. Alors, je sais pas si vous allez comprendre de quoi je parle. Attendez, je vous montre. Si j'y arrive, c'est le bordel derrière moi. Je vais pas y arriver. Donc, si vous vous souvenez, c'était pour l'échange d'ATC. Hein, et c'était une pépette. C'était celle. Non, c'était pas celle-ci. Bah, elle est où? Bon, bref, c'était une pépette dans cet esprit-là. Vous voyez, c'est des traits un peu à la main. J'en ai plusieurs de cette collection que je n'ai pas encore utilisées pour certaines. Voilà. Bref, on parlait de ça. Mais c'est vrai qu'elle avait dit qu'elle essayerait de les reproduire. Et ça peut être une très bonne idée et d'en faire un petit peu ce que tu veux, de rajouter des choses, d'enlever des éléments pour en faire autre chose. Bref. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que tu veux en faire. Si tu en fais quelque chose, j'ai hâte. Voilà. Donc, j'ai cette petite carte ici. Et ensuite, à côté, elle m'a mis. Oh là. Alors, ça, c'est collé dessus. Un petit sachet comme ceci. Stickers qui se décolle super bien. Ok, merci. Et on a cette petite chose. Donc, on va commencer par ça. Je pense que c'est l'ATC. Toujours avec la petite sirène. Ici, on a un petit cheval de mer, un petit hippocampe. Et un superbe petit ruban qui ferme tout ça. Alors, essayer d'ouvrir doucement, pas faire de bêtises. Ta 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 ta. Oh, mais elle m'en a mis deux! Alors, tu sais que le principe de l'échange carte et ATC, c'est une carte, une ATC et rien de plus. Déjà, il y a ça en trop. Donc, il y a une ATC en trop. Et il y a ça en trop. Bref, t'inquiète, je vais te faire mon petit envoi moi aussi dès que je pourrai là. Et t'inquiète. Donc, regardez-moi cette sublime petite ATC qui va avec un petit peu avec la carte. Hein, c'est la même petite sirène. Elle est juste magnifique. On a des matières en plus là. Elle a collé un peu comme un petit filet de pêche, on va dire. Voilà, c'est tout raide, tout rêche. C'est super beau, son fond est magnifique. Là, on a un sticker, c'est un peu vague. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ATC 1 sur 2, thème petite sirène. Donc, deux couleurs et créations. Voilà. Hop, et donc la deuxième, bah, dans les mêmes esprits, hein, un thème de la mer. Avec un petit coquillage qu'elle a. Elle a juste mis un petit brad. Petite attache parisienne en forme de cœur pour mettre le petit coquillage. Vous voyez, il bouge un petit peu, je ne suis pas forcée dessus. Là, on a des nœuds marins, c'est super joli. Ça fait un peu comme une coque de bateau. Je vois, j'aime bien. Et donc, la TC 2 sur 2, thème Hoyé Moussaillon. Hoé Moussaillon, parce que Hoyé, c'est pas trop. Mais bon, voilà. Elles sont super belles, ces ATC, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup ce que tu fais, tu le sais. Voilà, voilà. J'ai chaud, je vous jure, j'ai qu'une envie, c'est d'éteindre le téléphone. Pour aller boire un coup. Voilà. Mais on va attendre 5 minutes quand même. Faut pas abuser. Et donc, pour terminer, donc elle m'a mis ce petit quelque chose. Donc, avec stickers qui se décolle super bien. Ok. Et donc, on a des stickers qui sont trop beaux, trop beaux, trop beaux, trop beaux. Je croyais qu'elle parlait de ce sticker-là qui se décollait parce qu'il voulait pas coller correctement, en fait. Eh ben non, en fait, c'est ce qu'il y a dedans. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. C'est bon, il n'y a plus rien. Regardez-moi ça comme ils sont magnifiques. Ouais, vous voyez bien. Au pire, est-ce que je ne mettrais pas un. J'aime bien qu'on voit encore mieux, moi. Hop, allez, attendez. Je vous fais ça bien. Hop, on met ça sur le côté. J'adore. Et on met ça ici. Et voilà, regardez-moi ça, comme c'est splendide. Donc, on a plusieurs modèles. J'adore les couleurs. C'est waouh. Celle-ci qui va un petit peu dans le même esprit. Vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. je vérifie. On ne sait jamais. Une magnifique rose. Ici encore, de superbes fleurs. Et là, en noir et blanc. Regardez-moi ça comme c'est superbe. Oh, j'adore celle-ci. Je les aime toutes, hein. Mais celle-ci, j'ai un petit coup de cœur là. Ah, en fait, si je les mets dans l'autre sens, elles sont plus. Vous voyez plus, mais bon. Dans l'autre sens du coup. Bref. Ouais, celle-ci, j'ai un vrai coup de cœur. J'aime bien les formes comme ça. Bref. Voilà. On va pas épiloguer dessus, mais j'aime beaucoup. Elles sont toutes magnifiques. Oh là 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 là. Mais fallait pas. Oh, le bouquet, il est splendide. Ils sont tous beaux, hein. Voilà. Mais. J'adore, j'adore. Je sais plus où me mettre. Je sais plus où mettre la tête. Je sais. Voilà. Il y en a partout. Vous voyez tout? Vous voyez tout. Un grand, grand merci à toi, Annie. Il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas. C'est superbe. Bon, au moins, une bonne chose, c'est que ça n'a pas été volé. Ça n'a pas été perdu. Ça
ça a retrouvé son petit chemin. Je t'ai pas envoyé le message, je viens juste de voir le courrier aujourd'hui là. Je viens juste de le voir, je me suis dit je fais aussitôt la vidéo, comme ça je t'envoie un petit message le temps de poster la vidéo sur YouTube. Donc il faut absolument que je t'envoie le petit message parce que je suis capable d'oublier aussi. Mais voilà, comme quoi ça s'est pas perdu, que c'est bien arrivé. Et voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc la prochaine fois, si quelque chose n'est pas arrivé à temps, ne vous inquiétez pas, on attend encore une petite semaine ou deux. Comme ça, au moins, on est sûr. Puis moi, comme je vous dis, à chaque fois, je ne suis pas pressée. J'ai confiance en vous, donc c'est pas comme si... voilà, hein. Il n'y a rien d'urgent, quoi. Donc, la prochaine fois, on attend. Comme ça, on ne fait pas des envois en doublon. Ça sera, c'est dommage. Après, moi, je suis très heureuse d'avoir reçu ta pocket letter. Hein. Je ne vais pas cracher dessus. Je ne vais pas dire le contraire. Hein. Je ne te la renverrai pas, ça, c'est sûr. Mais par contre, je vais t'en envoyer une que j'aurais faite moi-même. Voilà, voilà. Comme promis, je t'enverrai un petit envoi, mais pas tout de suite maintenant. Voilà. Mais c'est tout ce que je voulais vous présenter. Je suis super contente. Contente, voilà, que ce soit pas été, ça n'avait pas été volé, que ça n'avait pas été perdu. En plus, l'enveloppe est arrivée, elle n'était pas abîmée ni rien. C'est vraiment le code postal, quoi. Voilà, voilà. Je t'ai envoyé la... Ouais, je lui ai envoyé la photo avant qu'elle voie la vidéo. Bref, ça va être rigolo. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous poste cette vidéo pour aujourd'hui. Donc vous aurez deux autres vidéos d'une créa que je vais faire. Donc que j'ai faite il y a un petit moment déjà maintenant, mais bon, à venir du coup. Et après ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des courriers à ouvrir, je les ouvrirai. Je prendrai le temps de les ouvrir. Mais si sinon, je ne ferai pas d'autres créas pour l'instant, tant que mon cher est tendre. Est en vacances, je vais profiter et puis c'est tout, voilà, les vidéos ça passera après, c'est tout, je vous fais à tous des gros bisous, Annie, encore un énorme merci du coup, voilà, t'inquiète pas, je m'occupe de toi bientôt, pas maintenant mais bientôt, et puis passez tous une belle journée, faites bien attention à vous, faites attention à la chaleur, hydratez-vous à fond, bref, prenez soin de vous, voilà, c'est tout, prenez soin bien de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut !